Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment préparer de bonnes roses des sables. Ce sera un jeu d'enfant, vous allez voir. Pour faire vos roses des sables, il vous faudra donc 100 g de cornflakes, 50 g de beurre et 50 g de chocolat. Vous allez commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat. Vous pouvez faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Moi, je préfère au bain-marie parce que je maîtrise mieux la cuisson. Une fois que votre chocolat et votre beurre sont fondus, vous y ajoutez les cornflakes. Vous pouvez les écraser un peu, un coup sur deux, disons, si vous voulez un petit peu affiner vos roses des sables. Vous allez mélanger le chocolat, le beurre et les cornflakes. Tout est bien mélangé. On va pouvoir dresser sur le plateau que vous aurez recouvert d'un papier sulfurisé. Donc, je prends deux cuillères et puis je vais faire des petits tas. Voilà, j'en mets de partout. C'est parfait. Ben voilà. Une excuse pour se lécher les doigts. Après, vous faites les roses des sables de la taille que vous voulez. Pas besoin d'espacer trop, ça ne va pas bouger. Au frigo. Elle est maintenant prête à passer au moins une heure au frigo, voire toute une nuit, mais minimum une heure, sinon ce n'aura pas le temps de refroidir. Donc c'est parti pour le frigo. Et voilà, vos roses des sables sont prêtes, elles ont passé quelques heures, voire une nuit au frigo. Vous pouvez les décoller et puis les déguster. Donc, elles sont dures à éclater, elles sont normalement croquantes. J'ai du mal à les séparer en deux, mais vous avez compris le principe. Et puis, moi, je vous conseille de les mettre dans un tupperware ou une boîte en métal pour les conserver. Et voilà. Et si vous voulez faire le double, ben, n'hésitez pas à doubler les doses. Et voilà. Bonne préparation !